If ever I had a video, would you dance in it? Would you dance in it? In it? Oh, sunshine, you are my sunshine. Le projet parle vraiment du livre de Gallifin. Donc, comme je pense vous le savez, c'est un livre qui s'est vendu beaucoup. Il y a eu beaucoup de lecteurs. Il y a eu plus d'un million de livres qui ont été vendus, ce qui est énorme. Donc, c'est un livre dont on a beaucoup parlé. Et c'est un livre que j'ai lu, évidemment, comme beaucoup d'entre vous. Et ensuite, un producteur m'a proposé de me pencher sur, de réfléchir à la possibilité d'adapter ce roman. Et c'était très compliqué pour moi parce que je ne connaissais ni le pays. Hein, ni le Burundi, ni le Rwanda, à part ce que j'en avais lu évidemment dans les journaux à l'époque et ensuite dans certains livres. Et ce qui a été déterminant dans l'approche du projet, ça a été la rencontre avec Gaël Faye, en fait, parce qu'on avait à peu près la même vision du livre et de ce que devait raconter le film. Savoir pour moi ce qui m'avait touché dans le roman, déjà c'est la mélancolie qui se dégageait du livre. C'était l'histoire aussi d'un enfant qui perdait le pays dans lequel il avait grandi et qui perdait son enfance de manière très violente. Et aussi, il y avait toute une ligne dramatique qui était la chose pour moi la plus forte. C'était le fait que c'est un enfant qui souffrait de la séparation de ses deux parents. Et pour moi, c'était vraiment l'axe de l'histoire. C'est-à-dire en dehors des drames qui traversent le Burundi et le pays voisin, le Rwanda. Le premier axe qui m'a touché, c'était l'histoire de cet enfant qui était déchiré entre son père, qui était un Français blanc, et sa mère, qui était une Rwandaise réfugiée au Burundi. Merci.